Salut, salut. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour. Je vous présente la chose qui m'a pris beaucoup de temps ces derniers mois. C'est à peu près fini. Donc, voici ce que c'est. C'est. En fait, je me suis inspiré d'un hangar. D'un hangar de Star Wars. Et j'en ai fait un musée. Un musée avec pas mal de pixel art et deux, trois appartements. Donc, on va passer par en bas. Bon, j'ai pas fini, c'est pour l'instant c'est plus sécurisé qu'autre chose. Donc voici si on entend. Je suis pas sur un trait. Voici la fameuse sonnette que Ryu a faite. Je lui en remercie beaucoup. C'est si vous avez bien reconnu. Oui, le thème Star Wars. Donc ici on se trouve en bas. Donc avec plusieurs pixel art. Labrador. R2D2, C3PO. Donc en fait chaque pixel art va avoir une vue sur un appartement. L'intérieur n'est pas encore fini. J'ai fini de l'extérieur pour l'instant. Là on peut apercevoir aussi le Yoda que ses doigts fait. Je vous remercie aussi. Et le taille qui est encore aussi enfin pas en construction mais en peinture on va dire. Donc voilà. Il est en réparation, donc l'aile elle est détachée, la coque est soutenue. Voilà. Voici pour le rez-de-chaussée. Maintenant on va se diriger au premier étage avec les appartements. Ouais, il y a eu des. Je sais pas pourquoi il y a des creepers qui arrivent quand même à spawner. Donc je ne sais pas, hein, mais pourtant il y a pas mal de lampes torches et je sais pas pourquoi. Ah bien sûr, j'étais dans la pièce où j'ai pas mis la sonnette. Bon voilà un appartement type avec tout ce qu'il faut pour commencer, après chacun pourra en faire ce qu'il veut. Voilà, avec la petite vue, avec l'héliport aussi en construction, aussi en pixel art. Chaque appart a sa sonnette personnalisée. Donc après on va se diriger au troisième étage, ou deuxième plutôt. Ça, je vais vous montrer à la fin. En fait, c'est l'entrée principale. Donc voici le toit. On peut dire que ici, qui est presque fini. Faut que je ferme quand même, c'est jamais. Là, je vais vous montrer le troisième étage, qui est l'étage de décontraction. On a de la chance, on a le coucher de soleil qui est juste là. Avec la belle vue sur le taille. La tour de contrôle. Après on va passer au quatrième étage, je sais plus. Oui. Qui est aussi je sais pas ce que j'ai fait. Ah, je me retrouve parce que je suis mort. Donc on se retrouve après une petite ellipse, parce que je suis mort lamentablement, à cause de. Ce manque de verre que j'ai oublié de placer au cul parce que j'ai plus de verre. Enfin voilà. Donc où j'en étais. Donc voilà le dernier étage. Donc maintenant on va se diriger à la tour de contrôle. Prenons le petit raccourci. Hop. Hop là. Donc oui pour l'instant les appartements il y en a 4. Avec Princess Leia, Yann Solo, R2-D2, C3PO. Là, la tour de contrôle qui fait aussi office pour l'instant de mon bureau. Et voilà. Donc on arrive en haut avec les nuages, super sympa.
Donc voilà à peu près la vue que l'on a. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau de ce côté-là. Enfin, voler, voler. Donc c'est bien sûr pour que les tailles puissent se repérer. Je crois que j'ai... Je sais pas si j'ai fait gaffe, il y a un vaisseau qui se construit derrière moi, je voulais pas le montrer, mais j'ai pas fait gaffe si je l'ai montré. Excuse-moi, c'est d'eau. J'ai pas fait gaffe du tout, mais je pense pas. Que ça va envoyer du rêve aussi, hein, ce qui se construit derrière. Enfin voilà, je vais terminer en vous montrant l'entrée principale. Avec les petites boîtes aux lettres pour les différents appartements et les indications. Je vérifie bien que y est ouvert partout pour pas mourir. Donc voilà. Donc c'était la petite visite de mon hangar personnel pour l'instant. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous laisse admirer la vue la nuit, comment ça rend. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera normalement, je sais pas si je vais le dire, une petite chasse. Donc voilà. Ouh, là-bas j'ai la construction aussi. Enfin. Donc on se retrouve plus tard. Salut.